faut qu'on soit fiers de notre projet, qu'on soit confiant dans le fait qu'il répond vraiment à des préoccupations d'aujourd'hui. L'écologie, c'est pas quelque chose de hors sol. L'écologie, ça touche à la santé. L'écologie, ça touche à l'emploi. L'écologie, ça touche au vivre ensemble. L'écologie, ça touche au développement économique, au développement territorial. L'écologie, c'est le bus que vous prenez tous les jours quand vous n'avez pas de voiture. L'écologie, ça concerne aussi la précarité énergétique, les inégalités alimentaires. Et toutes ces choses-là, il faudra qu'on sache les porter. Il faudra qu'on sache vraiment aussi les porter de telle sorte à ce que les gens entendent que l'écologie, c'est une réponse aujourd'hui à leurs problèmes d'aujourd'hui, tout en prenant en compte les enjeux de demain. Et ça, je crois que ça doit être au cœur, en tout cas, de notre campagne. J'ai parlé beaucoup. Juste un tout petit complément. D'abord, moi j'ai beaucoup apprécié la sérénité des débats, on en parlait avec quelques-uns tout à l'heure, et notre capacité à discuter et à débattre intelligemment. Donc ça signifie aussi qu'on a une organisation, il y a eu un comité local aussi à Angers, et on a des salariés qui sont prêts pour cette campagne. Et avec les chiffres qui sont sortis tout à l'heure des urnes, 62% pour une autonomie au premier tour et un rassemblement ouvert vers la société civile, et si l'on additionne également le score de la motion A, c'est plus de 85% pour l'autonomie. Je crois que là, ça signifie que notre parti est prêt pour lancer cette campagne pour les élections régionales. Vous êtes prêts avec nous. C'est simplement ça que je veux dire. Merci. Cette campagne, elle doit être celle du rassemblement. Et j'espère que les personnes qui sont ici présentes, celles qui sont déjà parties, celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, enfin, en tout cas, j'ai le souhait qu'on laisse la place pour tout le monde.